Bon, le gars que vous voyez, c'est un ami ivoirien. Il a voulu comparer la nourriture ivoirienne et camerounaise. Alors, je vais lui faire la même chose que j'avais fait avec Makoso. Écoutez d'abord Makoso après que je lui ai fermé la bouche. Mais en matière de nourriture, dans l'Afrique tout entière, le meilleur pays, c'est le Cameroun. On veut parler de multiplicité de recettes de nourriture. Tu arrives au Cameroun, eux, ils t'éteignent. Je suis ivoirien. Je connais les plats de la Côte d'Ivoire. Les vrais plats. Mais les Camerounais m'ont dit, les Camerounais ont fermé ma bouche. J'ai voulu faire un débat avec un Camerounais qui s'appelle Steve Offa. Champion, chaque ethnie a au moins près de 100 recettes. 100, j'ai pas dit 1, j'ai dit 100 recettes. Respectez les Camerounais. Hein. Bon, maintenant revenons à Nondolé. Cet attaqué d'amis me dit que la cuisine ivoirienne est plus variée que la cuisine camerounaise. Pourtant, nous savons tous que la cuisine ivoirienne, c'est comme les 4 points cardinaux. Attaqué, Aloko, Fufu et Igname. Quel que soit lambda, tu tombes toujours sur ces quatre-là. Il m'a donc dit que si je réussis à lui citer 10 plats camerounais, il va applaudir avec les fesses. Alors je n'ai pas fait que lui citer. Je l'ai amené dans un restaurant qui s'appelle Set Tadger. C'est nouveau, c'est situé au Carrefour Bastos en face de JC Prestige. Est-ce que cet aloko connaît même le taro, le héro et le kwakuku? Est-ce que ce plakali connaît même le sanga, le pem et le folon? Bref, nous voilà qui entrons. Comme vous pouvez remarquer, c'est un nouveau restaurant dans un style typiquement africain. Vraiment, si vous faites un tour à Yaoundé ou bien si vous êtes à Yaoundé et que vous n'êtes jamais allé à Set Tadger, alors vous avez raté votre vie. Alors nous voilà qui entrons et comme vous pouvez voir, il y a un grand parking pour ceux qui sont véhiculés, pas comme mon ex. Voilà, et vraiment c'est grand à l'intérieur. Regardez vous-même les images, c'est juste magnifique. Non, les gars ont fait fort. C'est un restaurant, lounge, grillade, piano bar. Ils ont même le spécial tarot. Et depuis quelques jours, ils ont lancé le buffet. Ils font aussi les pizzas, comme vous pouvez voir, la chicha. Vraiment, il y a tout là-bas. Mais c'est surtout les plats camerounais qui m'intéressent. Regardez, nous sommes entrés. Et là, je vais l'amener au buffet. Et il sera juste scandalisé. Parce que si on commence à citer les nourritures camerounaises, non, est-ce que les Ivoiriens m'ont supporté? Essayons un peu de citer rapidement. Le héros, le coq, le sanga, le taro, le folon, le équang, le coco, le pilé, le DG, la banane malaxée, le condré, le couscous maïs, le foufou, le foléré, le lalo, le ndolé, le ndomba, le nadoso. Que balle perdue sur les bayas maintenant. Et tout ce que je cite là, vous aurez ça dans le restaurant que vous voyez là. Ça s'appelle Set Tadger. C'est situé à Bastos, face JST Prestige. On continue. Le kwem, le mbongo, le conchap. Hey, faut pas que j'oublie le sauveur. Le tapioca, balle perdue sur les étudiants n'ingwa. Bref, la liste est longue. Et mon ami ici, il a tellement vu la nourriture que le gars a commencé à manger comme un fou. J'espère qu'après ça, il va applaudir avec les fesses. Seigneur, regarde comment il donne les mains. Ouais, Seigneur, merci. Merci de m'avoir fait naître au Cameroun, le pays de la chop. Alors là, maintenant, je le tire. Il faut qu'il applaudisse avec les fesses, comme il a dit. Allez, go, zoomez-moi sur les fesses là. Applaudis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao. Ash.